Là, c'est bon. Non, et je me suis pas lavé depuis un an. C'est pour qui? France 3 Canal Plus. Canal Moins. Canal Moins. Groland. Allez. Oui, bah, qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? Poissonnet, qu'est-ce que fait? On n'avait rien à faire ce week-end. Du coup, bah, on a dit, tiens, on va faire 780 km de route. On se retrouver dans le fin fond du trou du cul de la France. Non, je rigole. Du coup, là, on est vendredi. Donc, on est vendredi. C'est journée d'essai à Calmont. Autant vous dire que je suis partagé entre excitation et la chiasse. Calmont, c'est ce qu'on appelle, dans le milieu, un tout-gay. Qu'est-ce qu'un tout-gay? Un tout-gay, c'est un mec qui est tout le temps là. Ah là là, dis donc, je suis tout-gay, je suis tout... Oh! Pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo de Jérémy Tchouf-Mérérès, ça veut aussi dire qu'il y a à peu près une marge d'erreur de 0% qui est acceptable. C'est-à-dire que si on se rate, bah, on a ou d'un côté une barrière en ferraille, de type dur, ou de l'autre côté un ravin en terre, de type ravineux. Donc c'est assez excitant, mais ça fait assez peur aussi. Qu'est-ce qu'on fait? Où est-ce qu'on va? Qu'est-ce qu'on fait? Chut! Eh oh, tu t'es dit que tu arrêtes d'aboyer, ça fait chier tout le monde. Qu'est-ce qu'il y a? Tu quelle? Sympa tes pantoufles en tout cas. Bonjour. Mais non, on a déjà dit non, bonjour. Non, on est le matin, là du coup? Non, c'est midi. Pourquoi tu fais l'intro sans moi déjà? Donc, t'as ça, c'est qui l'admissible? T'as avec Aïta? Bah, on en a fait chacun une, mais chacun de notre côté aussi. Ouais. Ah ouais? Et moi, faut que j'achète une caméra et je fasse de mon côté aussi. Voilà. Elle sera jamais postée. Mais toi, déjà, si toi tu parlais à une caméra le matin, personne n'y croirait. Donc, oui, c'est vrai. C'est bon, t'inquiète pas, ton plumeau il est là. Il a... Putain, c'est vrai qu'on n'est pas en forme là. Bah, surtout toi, hein, t'es rempli de rien en ce moment, toi. Bah, surtout ce matin. Ouais. Et en plus, j'ai conduit l'M3. Oula. Ouais, parce que pour l'instant, on est toujours en double monte. Non, en fait, le défi cette année, c'est de faire tous les rounds en double monte. Ouais, c'est ça, on s'est lancé un petit défi. Mais sinon, ça se passe bien, on a tous fait les essais, on n'a rien cassé. Vous avez vu que Jean-Kenol, il vient de manquer d'écran. Oui. Joe White, ouais. Donc on est le midi, ouais. Première séance d'essai. Voilà. Très bien passé. Lui, très mal passé. Bon, tiens, non, attends. J'ai dit, attends, je vais essayer. Bon, j'ai perdu le volant en premier run. Oui, bah t'as qu'à vérifier si j'ai pris le frein à main au deuxième. Alors j'étais pas très en confiance, t'as vu. Franchement, qui a besoin d'un volant et d'un frein à main pour faire. Voilà. Et du coup, bah en fait, je l'ai pris, elle va très bien. Et puis voilà. Donc là, il va re-aller très bien dans sa tête. Il va faire une remise à zéro. Et elle va aller très bien, tu vois. Voilà. Exactement. Il va faire podium comme ça. Voilà. Bah aujourd'hui, tu peux pas faire de podium. Ah ouais, c'est. Ouais. Moi, je vais essayer de pas la casser parce que c'est la première fois que je roule dans la montagne. T'as déjà fait une petite. J'ai fait une petite lèche du train arrière. C'est pas du tout la première fois que tu roules dans la montagne. Hein. J'ai roulé au Colombier. Et le Colombier, c'est le meilleur entraînement du monde. Colombier de nuit avec une compacte. Qui est une route fermée évidemment. Oui. Ah oui, c'est exprès. Voilà. C'est bien fermé. À côté de Caen. Oui. Non, Rouen. Ouais. Entre Caen et Rouen. Ouais. Ah ouais. Près de l'Aisle et la Vire. C'est... Voilà. D'ailleurs, c'est le pigeonnier, c'est pas le Colombier. Oui, c'est, ouais. Oui, c'est vrai. Mais du coup, non, bah, c'est cool. Ça fait peur, mais c'est cool. Là, j'aimerais bien rouler mieux cet après-midi que ce matin. Ouais. Bah, y a pas de mal de toute façon. Y a vraiment pas de mal. Ça va pas être difficile, tu me diras, je mets pas la barre très haute. Non, là, ouais. Franchement, même tu jettes qui, tiens. Bah, Jean-Kenol dedans, il va mieux, je pense. Oh, bah, c'est pas dur là. Jean-Kenol conduit bien d'ailleurs. On l'a fait rouler dans une monoplace, il a bien roulé. Tu as senti le quintal qui est rentré dans le camtar? C'est une trampoline. Ouais, mais il mange bien le bestiau. Ah, mange bien la cantine. Bon, en tout cas, on se revoit ce soir. Vous serez là dans les prochaines minutes si on appuie les voitures du soir. Voilà, parce que nous, ce sera ce soir, mais vous, dans pas longtemps. Ah, ouais, bah oui, c'est vrai. La distorsion temporaire. Mais quand même, ils vont pas qu'on fait une vidéo, lui. Attends, quand j'aurai le missile. Ça va, on vous dérange pas trop là. Attends, quand j'aurai le missile et que je viendrai te pousser. Bienvenue. Bah, passe.
Vas-y. Ah, ouais, mais il va pas s'en aller, hein. Mais putain. Mais moi, pardon, non mais. Il va pas s'en aller. On fait passer, on a des trucs à prendre. Ah non, normalement, non, ça va. C'est qui en premier? Allez, dis au revoir. Bon, allez, à tout à l'heure. Salut. Ouais, à tout à l'heure, de toute façon. Ouais, ça sera pas mieux là. Quoi, là-dedans? Oh, ça va, c'est bien. On va reprendre les essais. On essaie des choses avec les pneus. On a modifié un peu le frein à main parce que je le tordais en tirant dessus. Donc c'était un peu compliqué une fois qu'il avait changé de place pour le retrouver. Et je suis un peu plus en forme aussi que ce matin. Parce que j'étais pas du tout réveillé ce matin. J'ai quand même réussi à semer mon pare-choc avant le déclenchement. Ça va être cool. Jason Banet demande à l'accueil. Oui. Bonjour. Je veux dire, oui, tu vas te. Ah bah mon dieu, bah si le cadre arrive comme ça aussi, bah qu'est-ce que tu comprends? T'as la gueule des médias toi, tu verras mieux mes pattes, c'est un mieux. Bon, l'après-midi va recommencer, c'est comment bien, tu te sens? Tu sais lire, attends, il y a un petit poil de mon chien là. Comment tu te sens? Franchement super bien, j'avais des nouveaux pneus à essayer. Bon j'ai fait qu'un passage tu me diras, mais le tracé je l'avais, j'ai tous les clips. Et les pneus c'est infernal comme ils vont bien, donc tout va bien se passer. Ma série 1 arrive ce soir. C'est sûr ou pas? Et je serai chaud, 80%. Est-ce que t'as des nouvelles déjà de commencer? Oui bah oui. Pronostic? Ah bah tiens le week-end? Premier. Ah, non mais ça c'est logique tu vois. Non normalement oui, après là ils ont trouvé les problèmes, tous les problèmes entre guillemets. Donc là maintenant c'est bon. Du coup, il se passe quoi là? Et ben, on attend le retour de Jérém des essais parce qu'on a plusieurs tests de pneus à faire et on n'a pas beaucoup d'essais. Du coup, on a tout préparé et dès qu'il revient, on change les pneus et on remet de l'essence au plus vite possible pour qu'il puisse repartir pour faire le maximum d'essais. Vu qu'on a plusieurs montes à essayer, c'est très très dur de tout essayer. C'est déjà mieux que ce matin. Ouais. Ça manque un peu de grip. Là, on va tester les énerver. Passé que j'ai changé de pneu et j'ai pas assez adapté ma conduite au changement de pneu. Je savais que j'avais moins de grip mais je pensais pas qu'il y en avait autant moins. Ça il y en avait quand même vraiment salement moins. Hein? Ah, ça a tout sorti les boulons devant. Ouais mais laisse y faire. Non. Alors on se prend pour Schumacher. Des fois ça passe pas apparemment. Ah non, puis alors. Donc j'aurais été derrière toi, c'est toi que j'aurais insulté du coup. Il y a les drifters pour plus tard. Et il t'est rentré dedans? Non. Il m'envoie un message, il me dit. Bah alors ça grippe toujours pas assez? Parce que je lui ai dit que j'avais mis les autres là. Et je lui dis si, mais j'avais remis les anciens, il me dit bah bien fait. J'ai toujours envie de me faire tirer par Jason. Ah merci. Il est où le. Un bar, le mano, il est posé. Il est là? Là. Il est où Tarlu? Il est où? Du coup, les essais? Bah on y va. Je n'ai fait qu'un passage ce matin, c'est bien passé, on verra les restes. On va voir. Tu peux me tenir la porte 2 secondes Arthur s'il te plaît. Merci de ça. Ah ouais elle est pétée là j'entends. Putain les Japan Racing. Japan Racing c'est de la merde. Putain il y avait juste un gravier quoi.
premier. J'appelle juste Jason. Vas-y. Attends, pourquoi tu l'appelles? Pour qu'il vienne. Parce que tu sais, en fin de journée, Jason il disparaît en fait. En fin de journée, ouais. Jason disparaît tout court. C'est un magicien. À un moment, tu te retournes, il est là, il est plus là. Et hop, il est plus là. Sylvain Marron, on avait des lingettes. Il arrive parfois que les besoins humains prennent le dessus. Voilà. Donc on appelle ça en général changer l'eau des olives. J'ai pas d'autres expressions à te donner, mais en tout cas, quand Cafon Pépi fait pipi, un arbre pousse. Et ça, c'est beau. Il protège les koalas. Bon, ils ont le sida, mais ils les protègent. Bah, je sais, oui, c'est... Et moi, je vis des conneries. Bah, bravo, bref. Merci, les gars. Merci. Du coup, cette journée ? Compliqué. Voilà. Compliqué pour pas dire assez frustrante. D'habitude, on a toujours le même pneu, machin. Bon, là, problème de conteneur, livraison, nanana. Bref. Voilà, on va pas s'éterniser. J'ai un mélange de plusieurs pneus différents. Et il y en a un ou deux qui vont bien, les autres qui vont pas. Sauf qu'évidemment, ceux qu'on a le plus, bah, c'est ceux que j'aime pas. Et j'ai l'impression que j'avance pas. Et en fait, j'avance pas. Voilà. Donc, va falloir faire avec. D'ici un quart d'heure, 20 minutes, ça ira bien. Mais là, je fais la gueule. Ah, attends, je peux voir ma tête dans ta caméra c'est bon? Ah, nickel. Non, bah, moi, je veux dire aujourd'hui. Qu'est-ce que je peux vous dire? On a eu qu'une voiture à s'occuper, bah, ça tombe bien parce qu'on était que Pierre qui a fait les pneus, Arthur et moi on s'est occupé de la M3. Rien de particulier, franchement la M3 elle nous surprend de course en course parce qu'elle est vraiment fiable. Là ils se sont mis deux fois dans le léger fossé, on a juste fait un contrôle de à peu près tout sur les trains roulants. Le moteur, il n'y a rien à y faire. La voiture roule bien. Demain, d'après ce que j'ai compris, ça repart en double monte. Donc on sait qu'on va avoir beaucoup de travail parce que c'est des animaux. Ils la maltraitent. Des animaux. C'est des animaux. Merci. Ah ouais, pardon, excuse-moi. Non, du coup, bah écoute, espérons qu'elle tienne le week-end. Elle nous a montré il y a deux semaines à Croix qu'elle était capable de le faire. Et il n'y a pas de raison qu'elle soit pas capable de le refaire aujourd'hui. J'espère juste qu'on aura moins de casse et moins de travail et qu'elle finira en meilleur état quand même. Allez, on verra demain. C'est là, ils font. Ouais. Pas comme ça. Tu sais, ils font. Bon. C'est bon, c'est bon. Allez, c'est bon. Allez. Bonjour. Bonjour. Non, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Fin de journée. Déjà pour commencer cette fin de journée. Regardez-moi ces beaux polos. Vous pouvez regarder. On a des beaux polos, ouais. Franchement. C'est vrai qu'on a des beaux polos. J'incite pas, hein, mais si vous voulez sur le shop. Bah non. Ils sont pas encore à vendre. Si, ceux-là, oui. Ah, ceux-là, oui. Cette belle casquette. Ceux-là, pas encore. Est-ce que cette belle casquette y est? Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Ah, bah le chien, il a pissé sur le pied de la tonnelle. Enfin, bref. Eh bah voilà, super. Le mec il vient avec son sac à main il pisse partout. C'est pas gentil pour. Pardon. Salut. C'était bien. Tu t'es amusé? Vraiment. Comme ouais. Un petit fou. Oui, oui. J'ai poussé quelqu'un. Pour le gauche? Non, MK Prog, il y a marqué sur le côté là. Ah, oui. Et bah j'étais comme ça à l'épingle et il a voulu gripper. Mais du coup, je l'ai aidé à pas gripper. Ça, c'est gentil ça. Bah, toi, t'es un altruiste. Bah, mais j'ai pas senti que j'avais touché. Dans pour le ton de soi, quoi. Oh, tu m'as cassé le sachet carrière. Oh, je les explique. Après, moi, je lui ai dit, j'en ai un peu rien à foutre. Ah. Oui, je lui ai dit. Il m'a dit, bon, bah, ça va. Match nul. Hein. Bon, enfin, bref. Donc, oui, non, ça s'est très bien passé. La 1M arrivera pas parce qu'on n'est pas sûr du moteur qui tienne. Voilà. C'est bien, ça, non? Voilà. Bon, au moins, c'est dit, quoi. En fait, on s'est lancé un défi, faire une saison en double monte. Mais rigole. On trouve ça marrant. Et l'an prochain, on le fait en triple. Alors, par contre, on tombe en top 32 ensemble, ça va vraiment tuant. Le Shifumi de top 32, c'est moins classe, quoi. Ouais. Bah, peut-être au podium, alors. Ouais, on va essayer. Voilà. Et bah, faut que tu te requalifies bien et moi aussi. Ouais. Pas ce qui est compliqué. Bah, de ce qui est fait bien. Par exemple, c'était un exemple. Après, il y en a plein d'autres, mais. Bon, moi, ce que j'ai entendu, si tu roules comme aujourd'hui, tu fais la pole. Ouais, moi aussi, de ce que j'ai entendu. Enfin, non, j'ai pas entendu ça en fait. Moi, j'ai entendu que si je roule comme aujourd'hui, t'es 7. Peut-être 32, tu vois. La pole 32. La pole 32. Mais la pole en partant d'en bas. Ah, juste, en fait, lui, il faut juste qu'il se réveille. C'est tout. Mais oui, demain. Bah, ça d'accord, ouais. Enfin, bon, on en parle là. Mais oui. Ah, mais moi, si tu veux, on peut en parler, hein, y a pas de soucis. J'en ai parlé, hein. Non, parce que je lui ai dit au gadjo, là, il m'a croisé, hein. Ouais. Oh, c'est plus facile de faire des warhacks, des podiums. Hein. Ouais. Enfin, bref, on s'en fout. T'as bien roulé? Non. T'es content? Bah, non. Bon, il est pas content. T'as roulé, t'es content? Oui. Voilà, bon, nous, on est content. Et lui, est pas content. Non, je suis pas content. Oui, mais demain, ça va aller. Oui. Demain, il va. Oui, demain, en fait, faut juste qu'il se réveille parce qu'il prend des idées, tu sais, il dort 25 minutes avant une course. Donc, c'est mieux de dormir. Ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir. Puis après, je suis à fond il tout dit, le long. La voiture elle va pas. Mais la voiture elle va bien, c'est, je suis à fond tout le long, c'est un autre problème. À la base, la voiture allait pas, t'as dit. On a si, le matin t'as dit ça. On a pas reçu les pneus, voilà, c'est tout. J'ai quatre types de pneus différents. Il y en a un ou deux qui me plaisent à peu près, et c'est ceux qu'on a quasi pas en fait. Du coup, ça me fait chier, ça m'autrise pas, j'avance pas, et du coup, ça m'énerve. Et en fait, du coup, voilà. Mais par contre, c'est joli. C'est déjà une bonne devise. Tu sais, quand je suis pas content, je suis pas sympa. Hein. Je sais. J'ai envie de te faire un gros. Ouais, je sais. Oh non. Mais j'ai vu ta main là se balader. Bon, bref. Là, c'est voilà, la fin, on verra demain, demain sera mieux, et puis voilà. Demain sera un autre jour, le jour sera levé, Inch'Allah, et puis voilà.
Allez, bisous. Allez. Bismillah. Pas casser les couilles au matin avec la caméra, alors cette question tu viens nous emmerder. J'ai complètement fait chier à la gueule. Ah ouais, pour épicer, l'autre il prend son papier de PQ. Ouais, il est dans la banque, je lui dis, c'est pour quand? Il me dit, bah pour bientôt, je vais déjà aller pisser. Je t'en ai... Et au moment où il dit ça, l'autre il rentre, il fait devant lui la femme de bain. Avec le papier de cul dans les mains, c'est ça. Allez, moi je t'ai pris. Je sais même pas pourquoi je suis là. Je suis. Comment il va? Ça va et toi? Ça va. Ah, j'ai oublié de savoir pourquoi je t'ai là. Ça va mon petit? Il y a une tache sur l'objectif. Mais il dit que ça se voit pas. Non, ça se voit pas. J'adore faire chier avec ça. Il est temps ton rond. Vas-y, et lui il se lave les dents. Trois fois là. Ouais, non, mais t'es vraiment en train de te laver les dents. Tourne la caméra, s'il te plaît. Ouais, si. Il est en train de se laver les chailles. On a le bruit et tout en plus. Le réveil est dur. On a bien dormi, hein? Non. Pas moi, non. Moi j'ai bien dormi. Migraine, mon gars. Ah, moi aussi, mais moi j'ai fermé les yeux, nickel. Dormi. À chaque fois, le vendredi soir, tu me dis ça. Tu dis, ouais, j'ai la migraine, ça me saoule. Ouais, je veux pas. Ouais, mais. Trouver des excuses comme on peut, princesse. Petite journée aujourd'hui, c'est. Round 3. On va se faire attaquer par Villebrequin, toi, ça c'est du plagiat. Hein. Ouais. Aujourd'hui, c'est round 3. Ouais. Calif ce matin, Calif. Battle cet après-midi. Voilà. Chaud, ça cogne comme il dit, Villebrequin. Chaud. Voilà. Ouais, c'est bien, c'est le matin, alors il fait un petit peu frais là. Ouais, après, il va faire chaud aujourd'hui. Juste faire gaffe, faut pas se faire baiser au premier passage, justement, si la piste est froide. Ouais. Mais après. Mais les pilotes sont chauds, c'est essentiel. Ouais. Puis, exactement. Pas eu de casse, y'a rien eu. Donc. Ouais. Faire comme hier. Hein. Ouais, une sorte là. Pareil. Sur ce, à bientôt. C'est l'heure des qualifs. Tu veux pas fermer ta gueule? Non. On va essayer de faire mieux. Ah oui, ça va. Enfin. Jour 2. La série n'est pas arrivée. Ils ont préféré pas prendre de risque pour le moteur en fait. Ils ont dit il marche, mais on n'est pas sûr. Donc quand ils sont pas sûrs, vaut mieux pas insister. Tu veux sauter toi? Vaut mieux pas insister. Ils ont raison, mais ça fait chez nous, il y a l'M3, on va rouler avec l'M3 et puis voilà. L'M3 va super bien, j'ai fait les essais avec hier et ça va vraiment bien. Du coup, Guigui est passé. Guigui est passé, il a fait 4e au provisoire, je crois qu'il est 7e maintenant. On va aller regarder un petit peu ça avec tout le monde, mais déjà beau run. Il y a eu une petite perte de train avant parce que il n'y avait pas eu le temps de super bien chauffer les pneus. Mais en soi, ça s'est bien passé et puis plus qu'à voir à la fin du premier run de tout le monde. Là, ça va être à Jérémy, je pense. Ouais. Puis Inch'Allah, finale à 3, Shifumi, hein. Allez, c'est parti. On est là, hein. C'est où, tu veux dire? Au cul derrière l'église, je t'ai déjà dit tout à l'heure. Non, tu l'as pas dit ça à moi. Ah, c'était pas toi? Non, c'est pas moi. Voilà. Moi j'étais en train de travailler hier. Des fois j'ai un métier quand même, donc j'essaye de le faire. Voilà. Okay, et là, ce week-end, je vais te regarder travailler, je suis venu en touriste. Demande à Arthur. Il est 15h. Hein. Donc là, nous avons le numéro 2 au classement. Il n'a pas de voiture, il n'a pas de chaussures. Ils veulent pas, moi je roule avec ça, normal. Pas mal les souliers. Ils sont sales là, putain, c'était tout neuf avant de venir. Bah, j'ai envoyé quelqu'un me chercher des savates parce que j'avais plus de savates à l'hôtel. Eh putain, il est beau bon. Le deuxième. Faut tout reprendre en sérieux. Salut toi. Du coup, premier run, je crois que je suis toujours 4. Ouais, t'es toujours 4 là. Ouais, ça se qualifie. Moi je suis pas très content, mais c'est bien, c'est une qualif. Non mais puisque ça peut être mieux. Et ça peut être pire. Ça peut être pire. Voilà. Il y a une qui a ouvert une boîte de paysagistes. Bon, je la tiens. Mais gros, mais je vous ai envoyé sur Messenger, ouais, t'as vu ou pas? Mais il s'est bien tanké par contre. Ah oui, il est allé loin. Effectivement, il est loin. Il a la chance de pas tomber plus bas, parce que ça, il y a vraiment du contrebas, hein, c'est en contre-plongée là, on voit pas bien, mais... C'est ça. Est-ce que tu l'as vu? Il s'est mis dans le fossé, tout au fond, à la zone de chauffe. Qui? Nikita. Je l'ai pas vu, je suis arrivé, il me dit, ah, vous pouvez pas descendre. Je dis, mais pourquoi? Il me dit, bah regarde, je l'avais pas vu, il est carrément dans le... Promotion sur le dévoisage, Nikita. Non, ta gueule. C'est bon les roues?
Un arbre abattu, une voiture offerte. Oui, bah oui. Heureusement, il n'y a pas de mur comme Rio. Déclenchement, c'était. C'est vrai ? Ouais. Je me suis dit, j'ai pas le clip. Ah, si, bah fallait pas plus. Hein. Elle était dans un état pas possible, la croix en terre noire. Maintenant, est-ce qu'elle vient ? Elle est revenue en forme, ça a l'air d'être le cas avec Jérémy Mérides. Parce que le clip, tu l'avais, mais avec les rois. Et du coup, j'avais le rail. Ouais, t'as touché, non ? Il avait beaucoup de grippe, pour voir si ça va l'aider ici. On l'a vu sur le déclenchement, je me demande s'il n'est pas venu s'appuyer sur la barrière. Short, je fais putain, m'a fait de l'understeering, fais chauffer ton train avant, ils me disent ouais, mais c'est parce que t'as touché en fait. Non, je suis derrière. Après, je sais pas, c'est chouette mon volant. Non, c'est le rail qui m'a fait. C'est pas long. Disons que tu vois, c'est oui, mais t'as pas de choix là, donc tu vas arrêter de te plaindre. Comme si t'avais joui 10 secondes avant elle. C'est pas mal. C'est pas ouf. C'est vrai que c'est pas ouf. C'est mieux que rien. Oui, c'est mieux mais que c'est... Rien. Voilà. Je vous donne d'autres moyens de se repérer. Oui, t'as toujours des métaphores bien... Bah, c'est au moins c'est explicite. C'est ça. Baptiste ! La pasta ! Pasta la bonita ! Salve ! Dieu, point de sang dans les veines, point de pogne le gamin ! Merci. C'est un cadeau ? Non. Ça se refuse pas. Ouais. Tiens. Regarde. Une entrecôte à prendre. Une entrecôte. On se croira au Buffalo ? Avec l'entrecôte au Buffalo. Exactement. Entrecôte au Buffalo. Bien cuite. Tu crois que tu avais 5 ans et que tu m'as mis le cadeau de la fête des mères ? Installation pour le live, imagine. Attention. Télé et tout. En fait, actuellement, si tu montes regarder une battle ou les qualifs, t'as une heure et demie de montée, une heure et demie de descente. Elle était blonde avant. Hein ? Elle doit débrancher la glacière, elle débranche la télé. Si, elle était blonde avant. Bref, peut-être ça marche. Pas très brune non plus. Hein ? Pas très brune non plus. Bah, ça dépend quand on te regarde, oui, quand on t'écoute, moi. L'enfant terrible du championnat de France de drift va s'élancer pour bien entendu n'absolument pas économiser cette malheureuse 92 qui va encore subir les affres de ce pilote turbulent. Le gros déclenchement de Jason Bannet qui vraiment va venir chercher très très large hein, sur clip numéro 2, le 3, et bien on est un petit peu bas, mais ça va très très vite, ça galope pour venir chercher ce clip numéro 4. On va voir le dernier virage, Jason Bannet qui va sûrement faire encore des étincelles. On va venir essayer au frappé gauche de venir se placer le long du mur. Ton compte rendu est ton premier run. Bah ça va, content. Je l'ai fait safe, ça a fait des points, et voilà, c'est tout. Et là je vais m'énerver là. T'en avais combien en provisoire ? Là je suis quoi, je suis 5 ? Non. Là tu viens de finir là. Là t'as fini le run en fait. Donc dès que t'es arrivé. Bah oui, mais je suis 5. 5 au provisoire. Parce qu'Axel m'est passé devant. T'as fait 4 au provisoire. Ouais, mais après c'est qu'Axel m'est passé devant. Oui, oui, mais en arrivant, ils me l'ont dit. Il veut qu'on le voit. J'étais en haut. Ils me l'ont dit. Le run fini, tu vois. Genre 30 secondes après le run. Ah, je suis 4 au provisoire, alors je suis content, tu vois. Ah, ça, c'est pas des musiques. Je suis 4 au provisoire, là, pour l'instant. Donc, on va voir si je descends ou pas. Mais j'étais safe, tu vois. Bah, ouais, fais des gauche-droite si tu veux. Ah, bah, il est bon, mon cadreur. Non, mais. Tisboum, vas-y, prends-le, toi. Il est encore bourré depuis 2 semaines. Il a gardé la même constante. Non, ouais, on est bien content. Après, j'étais safe, donc on va faire mieux, là. On va s'exciter un petit peu, tu vois. La même fois, elle tombe bien. Oh, bah, bien. Nickel. Toujours. Elle, c'est l'immortelle, on va l'appeler. Allez, bisous. On me demande des photos et tout là-haut là. Hey, t'es devenu une vraie star. C'est bon ça. Si je peux prendre une photo alors je me pousse. Il dit non mais avec vous, j'ai vous. Je ne conduis pas, il me dit ouais, chien. Ah oui. Ah oui. Il me dit vous avez pas l'habitude. Je dis ah non, je fais rien, j'ai l'habitude de faire des. Ah si, regarde. Ouais, non mais ok, mais je fais pas des voix, enfin je conduis pas. Bon, ça, je ouais, mais photos. C'est bien, je trouve que les gens ils apprécient que les. Tu sais, les mecs ils construisent plus que les. Autant que les pilotes. Ouais, non, mais c'est bien. Au final. Une équipe quoi. Bah, c'est ça qu'on bosse vachement moins longtemps que nous, non hein. 30 secondes. On veut une photo, ouais, vas-y. Avec toi, il est amoureux, qu'est-ce qu'il a. C'est bon, ça. Et ben voilà, on est samedi midi. Samedi midi, les califs sont pas passés. Calif. Alors, t'es calif, on est calif. Ouais, on est calif. Mais là. Pardon. Oh, reste tech, là. Tu peux guetter l'auto en fonction de. Et bah. Combien tu aimes ? 24. 24 ? 8. 2. Voilà. Ah, non, c'est bravo, félicitations. Là, ouais, bien content des califs. Premier passage safe et après on s'est excité et ça allait mieux. Alors, et bah. La M3 ? Super bien. La M3, elle va super, super bien. Bien. Et il y a le passage d'Axel. Alors attends, c'est pas fini. T'es con en fait. T'es vraiment con par contre.
Bah, il y a le passage d'accès au calife. Il est derrière moi. Ouais. Voilà. Voilà. Donc on a plus qu'à faire le taf. Tu sais contre qui on tombe. Tu tombes contre qui toi après les battles ? Moi là je tombe contre Alexandre Lemaire. Toi tu es le premier ? Laurent Russel. C'est pas Georges. Moi vu que je prends pour habitude de tomber contre des petits qui aiment pas trop rouler bien, je me tape Anthony Rochi. Mais qui kiffe la montagne, qui a une tranquille. Tu vas le battre large, tu vas le battre large. Moi je pense que tu vas gagner. En tout cas, ça va être cool les battles cet après-midi, on est tout chaud là. Voilà. Et puis Non, ça se bat la loyale, mon pire. Attends, je pense que je vais pisser et là, c'est bien. Ce gros bâtard. Une arme de destruction massive. Pour une fois, soyez fiers de simuler. Je t'aime, Phil. Merci, Valentin. C'est le taxi.